Mesdames et messieurs, bonjour chers internautes, bonjour. Ce mercredi 4 janvier 2023 s'est tenu le premier conseil des ministres de l'année de 11h à 13h au palais de la présidence de la République, sous la présidence bien entendu de son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce Conseil des ministres, le premier de l'année, comme je vous l'ai indiqué, a débuté par des échanges de vœux, tradition oblige, entre le Premier ministre au nom du gouvernement et le président de la République. L'occasion a été pour le Premier ministre de revenir sur l'action du gouvernement, sur le bilan de l'action du gouvernement, en mettant un accent particulier sur la résilience de notre pays et sur les efforts qui ont été faits, notamment pour maîtriser l'inflation en vue de préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le Premier ministre a également donné les grandes lignes de la feuille de route qui a été adoptée après le séminaire gouvernemental. Revenant sur le message de Nouvel An de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a pu souligner les points essentiels qui sont notamment donc la politique en faveur de la jeunesse et la création donc d'incubateurs pour soutenir l'innovation technologique, notamment dans le cadre du développement du digital. Le Premier ministre, en terminant, a souligné le fait que le cap indiqué demeurait donc l'amélioration des conditions de vie des citoyens ivoiriens avec comme leitmotiv le devoir absolu de résultat. Prenant la parole à son tour et lui répondant, le président de la République a, en son nom personnel et au nom donc de son Excellence, Monsieur le Vice-président, remercié le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Il a surtout salué l'engagement du gouvernement à œuvrer, et cela dans un esprit de solidarité au développement de notre pays. Le président de la République a, comme il l'a indiqué dans son message donc, de Nouvel An, saluer les résultats du gouvernement dans un contexte mondial particulièrement difficile. Il a en outre rappelé que 2023 sera consacré à la jeunesse, à la promotion de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques en matière de gestion. Parlant donc de cette priorité à la jeunesse, le président de la République a souhaité, comme ce qui se fait avec le PSGOV 2, que de façon trimestrielle, les actions en faveur de la jeunesse donc, soient présentées au gouvernement. Le chef de l'État a terminé en félicitant donc le gouvernement pour les résultats obtenus, non sans encourager les ministres à demeurer proches des populations afin de porter à leur attention toutes les actions qui sont menées par le gouvernement. Revenant donc à l'ordre du jour de ce premier conseil des ministres de l'année, il a porté sur des mesures générales, quatre notamment, essentiellement des projets de décret, sur des mesures individuelles, quatre mesures individuelles également, et sur deux communications. Comme nous vous l'avons annoncé, le Conseil des ministres a adopté donc quatre décrets au titre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire. Les consuls honoraires,
Les consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire sont des personnes physiques de toute nationalité qui exercent à titre bénévole une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l'extérieur. Ils apportent notamment concours et assistance aux chefs de mission diplomatique, aux chefs de poste consulaire ainsi qu'aux Ivoiriens résidents ou de passage à l'étranger, par leur expérience et leur connaissance du milieu. Ce décret détermine les conditions de nomination des consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire, ainsi que les modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour le molybdène et les terres rares à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, donc la SODEMI, dans les départements de Boundiali, de Madinani et de Séguélon. Il faut juste noter que le molybdène est un minerai qui est utilisé donc dans l'industrie métallurgique. Il sert notamment donc pour la confection d'alliages et pour les blindages. Et les terres rares sont un ensemble de métaux ou de composés métalliques qui sont utilisés dans les procédés de fabrication de haute technologie et aussi bien récentes qu'à venir. Ils sont utilisés notamment dans la confection des téléphones portables, des écrans, des batteries et même donc des missiles. Le molybdène et les terres rares sont donc des matières premières stratégiques, telles que je viens de les définir, essentielles notamment à l'activité industrielle et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce permis de recherche, qui couvre une superficie de 370,87 km², est délivré à la Société nationale, donc la SODEMI, pour une durée donc de 4 ans, en vue de réaliser dans les localités concernées, notamment Boundiali, Madinani et Séguélon, des travaux géologiques et miniers destinés à identifier les zones de minéralisation de ces ressources rares et difficilement accessibles, à évaluer le potentiel disponible et à développer les gisements découverts en lien, bien entendu, avec les normes environnementales en vigueur. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé donc la CENTIF, une autorité administrative indépendante créée en application de la loi donc du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF est chargée, conformément aux recommandations du GAFI, le groupe d'action financière, d'améliorer la transparence dans la gestion économique et financière de l'État et du secteur privé en vue de contrer l'utilisation illicite de leurs systèmes financiers à des fins criminelles. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure de paiement des bourses d'études et secours financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ce décret réorganise le circuit de paiement des bourses scolaires et universitaires afin de garantir leur paiement dans les meilleurs délais. Il précise à cet effet les différentes dates de transmission des décisions de bourse et les délais impartis pour leur paiement. Ainsi, le paiement des bourses des études inscrits dans les établissements, le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire national, ainsi que celui des boursiers hors Côte d'Ivoire de tous les ordres d'enseignement s'effectue désormais par trimestre.
le paiement des bourses des élèves inscrits dans les établissements de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le territoire national s'effectue désormais en un versement unique à la rentrée. Au nom des innovations, ce décret introduit en août le paiement des bourses en Côte d'Ivoire par le mobile money, les transferts bancaires et le virement bancaire. En ce qui concerne les mesures individuelles, je vous l'ai annoncé, le Conseil des ministres en a adopté 4. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire et 2 communications relatives à l'agrément de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire ont été adoptés. Ainsi, sont nommés M. Kofi Vanga Patrice, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près le Saint-Siège avec résidence à Rome. M. Diarasuba Mifugo Youssouf, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près le Royaume des Pays-Bas avec résidence à La Haye. En ce qui concerne les agréments, donc en vue de nomination d'ambassadeur, il s'agit de Madame Anou Katharina Saxen, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande, près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar, et de Madame Tipawan Supamit-Kidja, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande, près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar. Pour ce qui est des communications, 2 communications ont été adoptées. Je vais à présent donc vous en donner lecture. La première communication est au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison bien entendu avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'extension de l'outil IMAGE à l'ensemble du territoire national. L'outil IMAGE, élaboré en partenariat avec des partenaires techniques spécialisés dans l'aérospatial, est une application numérique qui induit l'exploitation des technologies de surveillance par satellite, notamment les données de la télédétection, pour assurer une planification proactive de l'utilisation des terres et une alerte précoce avec des actions coordonnées de riposte en cas de détection de changements dans le couvert forestier. Au regard du succès du projet pilote qui a porté sur le sud-ouest de notre pays, le Conseil a instruit le ministre du Plan et du Développement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour garantir l'acquisition de la licence d'exploitation de l'outil IMAGE et son déploiement sur l'ensemble du territoire national. La deuxième communication est au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec donc le ministère du Budget du Portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la visite des services du Fonds monétaire international, le FMI donc, tenue du 7 au 13 décembre 2022. Cette mission a permis de passer en revue le cadre macroéconomique et budgétaire, d'apprécier les développements récents de l'économie nationale et d'examiner les perspectives à moyen terme. La mission a noté la bonne dynamique de l'économie nationale malgré le contexte sous-régional et international difficile. Elle a salué les mesures gouvernementales en réponse à la pandémie donc de la COVID-19 et à la crise découlant de la guerre en Ukraine. La mission a encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes pour faire face aux défis actuels
notamment la persistance des effets du conflit en Europe de l'Est, le resserrement des conditions de financement international et la mobilisation des recettes fiscales. Enfin, cette mission a également servi de cadre à des discussions préliminaires sur la négociation d'un nouveau programme économique et financier avec le FMI. L'ordre du jour de ce Conseil a été ainsi achevé avec cette dernière communication. Un seul point d'hiver a été évoqué, c'est celui donc portant sur le prochain Conseil des ministres qui aura lieu le mercredi 11 janvier 2023. Je vous remercie pour votre attention et je me prête à présent donc à vos différentes demandes d'éclaircissement sur le Conseil dans un premier temps et éventuellement les questions d'actualité. Apparemment, tout a été dit, tout est clairement exprimé, à moins que nous n'ayons encore l'esprit dans les fêtes de fin d'année. Bien, je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouverons très certainement demain. Question d'actualité? Ok. J'en prends. S'il y en a, et comme il y en a, je vous écoute. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour. Bonne année. Christelle Pierre pour TV5 Monde, donc j'aurai deux questions d'actualité s'il vous plaît à vous poser. Une première qui concerne le conflit en Ukraine. Ces derniers jours, on a vu une vidéo diffusée par Wagner où on voyait un Ivoirien aux côtés du fondateur de Wagner expliquer qu'il avait été recruté dans une prison moscovite et qu'il se battait aujourd'hui donc, au sein de la milice Wagner sur le front ukrainien. Je voulais savoir si vous en saviez plus sur cet homme, sur son identité, sur son parcours, et si vous saviez si d'autres Ivoiriens étaient impliqués dans ce conflit. Et ma deuxième question est sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Il y a eu la semaine dernière de lourdes condamnations contre eux. 20 ans de prison pour les 46 soldats qui y sont toujours, condamnation à mort pour, à part contumace pour les 3 femmes qui ont été libérées en septembre. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui, où en sont les négociations? Est-ce que vous avez une réaction déjà peut-être à ces condamnations? Est-ce que vous en savez? Le président a parlé d'une libération prochaine. Fornia Singbe, le président togolais, est aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous avez vous en savez sur les avancées de ce dossier, s'il vous plaît? Merci. Merci pour ces questions d'actualité. Ce n'est pas la première fois qu'un Africain se retrouve recruté par Wagner. Nous avons le cas, malheureusement, de ce jeune homme qui est décédé et dont le pays n'a appris la présence dans les combattants donc de Wagner que lorsqu'il est décédé. C'était également donc, quelqu'un qui purgeait une peine de prison. Donc je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, vu que c'est déjà arrivé. Le ministère des Affaires étrangères, donc, certainement se saisira de cette question. Nous avons la chance que notre compatriote soit en vie, contrairement à ce qui est arrivé donc, dans le cas précédent. Il purgeait une peine de prison, mais tout le monde connaît les pratiques de Wagner. Je ne voudrais pas revenir sur cette question-là. C'est un citoyen ivoirien qui, même s'il a commis un délit et se trouvait en prison, devrait bénéficier en tout cas de l'accompagnement de l'État ivoirien, mais vu les conditions dans lesquelles il se trouve en situation de guerre, vous comprenez qu'il nous est très difficile donc, de pouvoir faire jouer les relations diplomatiques. En tout état de cause, le ministère des Affaires étrangères, qui a aussi en charge la question des Ivoiriens de l'étranger, se saisira donc de ce dossier. Pour ce qui est de nos militaires, je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier,
nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur, justement, sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Monsieur le ministre Yapi Coulibaly pour le quotidien Le Jour. Lors du dernier conseil des ministres, vous annonciez que M. Laurent Gbagbo ainsi que d'autres anciens chefs d'État et d'institutions allaient percevoir avant le 31 décembre de l'année passée leur compte viager. Aujourd'hui, 4 janvier 2023, est-ce que les approvisionnements ont été faits? Alors, c'est des questions très personnelles qui concernent d'abord les bénéficiaires. Peut-être qu'il faut leur poser la question. Mais vous pouvez être sûr que si ça n'avait pas été fait, certainement nous l'aurions appris. Puisque vous vous souviendrez que c'est un organe de la place qui avait posé le problème des rentes viagères. Bien, je vous souhaite un bon appétit, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et j'ai été très heureux de vous retrouver donc en ce début d'année. Merci et au revoir.